Gémeaux, ascendant ou signe lunaire, signe solaire, eh bien, je vous souhaite une bonne année déjà. Et puis, je vous invite à aller regarder la vidéo d'introduction pour comprendre un petit peu pourquoi cet horoscope maintenant, pour le mois de janvier, alors qu'il est déjà entamé, quels sont les jeux que j'utilise, tout ça, toutes les informations sont précisées dans la vidéo d'introduction. On va directement aller au tirage maintenant pour ce message qui s'invite à vous dans les énergies présentes, dans le temps présent, sur ce début d'année 2022. Alors, commençons par la première pour vous, les Gémeaux. Hop, voilà. Avec le Lighthouse Tarot, la complémentarité, les éléments de précision. Et puis la carte conseil, l'information ressource, l'élément qu'il faut peut-être dépasser. Nous verrons ce qui se présente. Alors, que nous dit le Osho, l'achèvement? Et vous arrivez, en ce début d'année, étonnamment, à la dernière ligne droite, je dirais, de quelque chose qui est l'achèvement d'une longue, longue, longue transformation. C'est une carte, c'est le 21. Le 21, l'équivalent du monde au tarot. L'achèvement vous dit, vous avez œuvré pendant longtemps à une transformation et elle s'annonce cette année pour vous. C'est cette année que vous allez poser les dernières ou la dernière pièce du puzzle. Les choses sont claires, précises, vous avez compris vers quoi vous allez, vers quoi vous tendez. Bravo les Gémeaux, je sens que vous êtes en phase avec vous-même, vous êtes bien aligné, en tout cas sur un projet, que ce soit un projet personnel ou un projet professionnel ou un projet de vie au sens plus large, eh bien... vous êtes dans ce sujet qui s'invite au mois de janvier pour vous. On va regarder avec précision. Vous le croyez ou vous ne le croyez pas? Le 21, que dire? Oui, c'est une grande transformation alchimique, des transformations en vous. Vous avez compris des choses, vous avez tellement œuvré pour transformer peut-être des croyances, vous dégager, vous libérer, vous ouvrir à ce que vous désirez le plus, vous ouvrir à votre vérité. Et c'est de ça dont il s'agit. Donc vous allez vers votre monde à vous, vous allez là où est votre place. Je dirais même, c'est comme si vous êtes en train de rencontrer dès ce début 2022, vraiment l'endroit où vous allez éclore, vous allez vraiment vous sentir à votre place. Osez vos rêves, osez ce qui est là au fond, c'est là, hein. Vous pouvez le faire, vous pouvez œuvrer, je dirais la conjoncture est adéquate pour vous. Et on va regarder ici l'énergie, ancrage, le sapin, magnifique avec son étoile ici. Le sapin, alors c'est l'arbre dans le normand. L'arbre, c'est la solidité, l'ancrage, les racines profondes. Ça peut être l'histoire, les ancêtres. Vous êtes en train de vous poser, de vous enraciner exactement où il faut. Vous n'avez pas vraiment de conseils là. Vous avez un message qui est en train de vous dire, vous êtes là où il faut planter vos racines. Vous êtes là où vous allez maintenant œuvrer dans quelque chose qui vous correspond, qui est complètement aligné avec vous. Si vous avez un doute, si vous êtes de ceux qui avaient, entre guillemets, loupé le coche sur d'autres années et que vous ne vous sentez pas à votre place, que vous dites « Ah ben non, ça ne me parle pas du tout », rien n'est perdu. Je vous le dis, je le ressens, rien n'est perdu. Tout peut se transformer maintenant parce que là, c'est comme si vous étiez en train de mettre les pieds dans le terrain fertile où l'idée... qu'il l'a depuis longtemps, dans votre, la petite graine qui est dans votre besace depuis très longtemps, il s'agirait de la planter maintenant. Voilà, moi je le ressens comme ça, donc je vous le dis. J'aimerais bien que vous me partagiez vos avis, vos impressions. C'est très très fort ce tirage pour vous, hein, les Gémeaux. C'est très beau. Moi ça me... Oh là là, ça me libère, je ne sais pas. J'aime ce qui s'annonce ici pour vous. Donc, bravo. À très bientôt. Prenez soin de vous et puis donnez-moi de vos nouvelles. Likez, commentez. Ça me fera vraiment plaisir de savoir ce qu'il en est pour vous, de ressentir ça.